Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation de la carte mère P8 Z77-V. Donc carte mère d'Asus sur le socket 1155 avec le nouveau chipset Z71. Enfin, nouveau, du plus si récent que ça maintenant, mais bon, c'est pas grave. Carte mère avec beaucoup de fonctionnalités que je vais essayer de vous présenter. J'ai commencé par les informations qui sont sur l'emballage, comme toujours. Alors là, on a le système Dual Intelligent Processor 3 Smart DG Plus avec le TPU, l'assistant d'overclocking, etc. Windows Light Ready, donc c'est pas encore le bon autocollant, mais bon, c'est Windows Light Ready. SLI, Crossfire X, Virtual MVP, donc pour utiliser la partie graphique intégrée au processeur pour le rendu vidéo ou la compression vidéo. Dual Digital Surround, Ultra PC2 et Connect. Ouais. Chipset Z77, support Intel Core de nouvelle génération, enfin les 22 et 32 nanomètres, donc LGA 1155. Intel Technology, donc Smart Response, Smart Connect, Rapidshare, HDMI. Qu'est-ce qu'on a encore des choses ici? Wi-Fi Go, ça je vais vous montrer un peu plus tard. Precise Power Control, donc avec le DG+, voilà, c'est au niveau de l'alimentation du processeur. USB 3, USB 3.0 Boost. Network E-Control, donc ça je vais vous montrer, parce qu'en fait ça utilise le réseau d'une carte réseau Intel. Et Easy BIOS Flashback, donc en cas de pépin avec le BIOS, vous pouvez le restaurer. Hop là, là c'est lourd. Bon, à l'arrière, vous avez une photo avec la carte mère, avec un résumé, plein de blabla pour faire de la pub. Si Fan Expert 2, c'est pas mal. Donc, ça, c'est un logiciel. Si vous branchez les ventilos à votre carte mère, vous pouvez les gérer. Donc, ça, c'est la deuxième version que j'ai jamais testée, mais qui a l'air très bien. Donc, là, le Virtual MVP, donc jusqu'à 60%. 60% de discrete graphics. C'est censé réduire, oui, 3 fois plus rapide. Compression vidéo 3 fois plus rapide, c'est ça que je cherchais. Et Asus Wi-Fi Go, DLNA, streaming et contrôle à distance, plus facile que jamais, bon d'accord. UEFI BIOS, GPU Boost, AS Suite 2. Donc logiciel pour gérer les températures, les fréquences, enfin, voir la fréquence, voir la température, etc. Et ça permet de gérer pas mal de choses. 100% solide capacitor et la fonctionnalité même OK. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu plus en détail après aussi. Et beaucoup de fonctionnalités hein, sur cette carte mère. PCI 3.0 ready, bien sûr. Alors, je vais déjà la mettre de côté, un peu de suspense. Et on va commencer par les accessoires. Alors, accessoires de base, les câbles SATA. Donc il y en a 4 en tout. Alors celui-là c'est censé être des SATA 2.0 et celui-là des 3.0, mais c'est les mêmes câbles. Juste ceux-là ils ont un bout blanc, voilà. Mais c'est des câbles SATA. Un pont SLI, un peu moche, mais enfin bon, il est inclus, c'est déjà ça. Les Q-connecteurs, donc pour brancher les panneaux avant à votre carte mère un peu plus facilement. Le panneau arrière de la carte mère qui est blanc, c'est bizarre. Enfin, c'est un autocollant, je pense qu'on peut l'enlever. Donc, c'est blanc, mais c'est pas grave. Le Wi-Fi Go, donc qui se branche sur la carte mère, je vais vous montrer juste après où ça se branche. Et une antenne. Voilà, donc ça doit être probablement pour le Wi-Fi Go. Oui, donc ça se visse en fait sur le module Wi-Fi. Des manuels. Alors le user guide en anglais à conserver, très important. Avec le CD, driver, pilote, etc. Mais téléchargez dernier sur le site d'Asus et un autocollant, ça faisait longtemps. Un autocollant Asus. User guide, Wi-Fi Go, user guide. Et encore un user guide pour Wi-Fi Go, Fan Expert 2, Network E-Control, USB Charger Plus. Voilà. Donc vous pouvez charger vos périphériques USB, iPod, téléphone, etc. avec des prises USB spéciales. Il y a un Quick Start Guide multilingue et quelque chose qui vous indique
Pour installer les drivers AHCI pour Windows XP et pour convertir un disque actuellement en IDE en HCI. Donc oui, il faut passer les disques en AHCI à partir du BIOS pour vraiment avoir des performances, de bonnes performances, surtout avec les SSD. J'ai tout fait tomber. Alors je vais sortir la carte mère, on va pouvoir la regarder plus en détail. Hop là. Donc vous avez un aperçu de la carte mère hein, avec le socket 1155 avec le système de refroidissement pour le bloc d'alimentation, les 4 emplacements pour la mémoire vive, donc tout à fait standard, 2 fois 4 pins, donc les 8 pins en haut pour le processeur, 24 pins pour la carte mère, pour 24 pins d'alimentation pour la carte mère. Donc au niveau des ports PCI, vous avez 2 ports PCI Express une fois, 2 16 fois. Donc là ils ont l'air plein, donc c'est 2 fois 16. Et un dernier qui est qui tourne 8x, enfin 8 fois. Donc celui-là est plus lent. Donc si vous mettez 2 cartes, il faut les mettre ici. Et voilà, et pas mettre les 2 cartes comme ça. Donc voilà, 2 cartes comme ça. Mais celle-là, vous pouvez sans souci mettre 2 cartes. Après 3 cartes, je m'avancerai pas trop. Voilà, donc vous avez au niveau des connectiques de l'USB 3 pour le panneau avant. Alors, je vais soulever un peu la carte. Ici. Donc de l'USB 3 ici. Alors, je vais chercher le sachet. Voilà, donc vous avez de l'USB 3 là. 1, 2, 3, 4 USB pour le panneau avant. Ici. Bon, l'audio pour le panneau avant. Ici, vous avez le système de refroidissement pour le chipset. Au niveau des ports SATA, vous avez beaucoup de ports SATA et c'est pas clair du tout. Enfin, ces 4 là, ça doit être du SATA à 6 gigabits par seconde et ceux-là du SATA, SATA 2 à 3 gigabits par seconde. Donc à vérifier, hein, je vais regarder ça tout de suite après. Au niveau des connectiques pour les ventilateurs, vous avez votre CPU fan ici. CPU Opt, ça je sais pas ce que c'est intéressant. Un châssis fan là. Deux autres ici. Et normalement, est-ce qu'ils en ont mis un en bas? Non. Donc il n'y a pas de châssis fan en bas, mais vous en avez un, deux. Un pour le CPU, ben, trois. C'est déjà pas mal. Donc là, vous avez ici le bouton Même OK. Donc si vous avez même OK, si jamais vous avez un problème avec la RAM, vous démarrez le PC en appuyant sur ce bouton et il va mettre des réglages qui feront en sorte que la mémoire marche. Donc voilà, si vous avez un problème de RAM, il y a cette fonctionnalité. Et vous avez le BIOS flashback ici, donc le bouton BIOS flashback. Voilà, si vous avez un souci de BIOS. Voilà, donc au niveau de l'avant, là vous avez l'aperçu de la carte. On va regarder les connectiques arrière. Voilà. Alors vous avez un port PS2, deux ports USB 3, deux ports USB 2. Vous avez de l'audio optique, HDMI, DisplayPort, VGA, DVI. Le port Ethernet, donc c'est un Intel Ethernet Gigabit LAN. Donc c'est censé être un contrôleur de très bonne qualité. Et de l'audio 7.1. Donc ça doit être une carte. C'est probablement du Realtek ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas du hyper haut de gamme non plus, hein, toujours l'audio. Et donc pour brancher la carte Wi-Fi, qui est où? Qui est là et qui est super bien emballée. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas pouvoir la brancher. Elle se branche ici. Alors, c'est un peu caché, mais elle se branche là.
Très simple à brancher, hein, juste à connecter. S'ils vont pas. Ils la mettent pas. Enfin, c'est à vous de la mettre. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout. Je vais vérifier juste. Ouais, c'est pas écrit ici, mais c'est pas grave. Donc pour ce connecteur de ventilateur qui est un peu CPU opt. Ah oui, c'est peut-être si vous avez deux ventilateurs de processeur par exemple. Ça doit sûrement être ça. Donc très pratique. Le pire temps, il n'y en a qu'un. Mais bon. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de présentation et de déballage de la carte mère Asus P8Z77-V. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.